皆さんお元気ですか？私はやすかです。今日も一緒に日本語を勉強しましょう。さて今日もハ行、後ほどカタカナヘの書き方を勉強します。今日はハ行で始まるボキャブラリーを見てみましょう。ハヒフヘホのハ、ハローワーク、英語のハローとワークが語源の和製英語です。厚生労働省が管轄する行政機関、公共職業安定所の愛称です。そう、フランスのポール・アンプロワにあたります。ヒ、ヒーロー。英語のヒーローがそのまま日本語になっています。テレビ番組や映画などのジャンルでヒーローが敵から被害者を守るという成り行きのものをヒーローものとくくることがあります。ハヒフフ、フラボノイド、緑茶などに含まれる化合物の一種で、高血圧や免疫力を高めるのに効果があると言われています。長寿大国である日本には、健康や体に良い食べ物に興味がある人がたくさんいます。例えばテレビ番組で、ある食品が体に良いという情報が流れれば、翌日その食品の売り切れが続出するなんていうことも。90年代後半に起こった赤ワインブームは、赤ワインに含まれるポリフェノールが体に良いというお昼の情報番組で放送されたことも一因と言われています。ヘ、ヘアスタイル。英語のヘアスタイルが日本語に定着した言葉です。フランス語ではスティール・ド・コアフュですね。江戸時代まで日本の一般的な髪型は、女性は日本髪、男性はちょんまげでした。明治時代以降、各時代時代で様々なヘアスタイルが流行しました。例えば50年代青年男子の間で流行ったリーゼント、80年代前半に若い女性の間で流行った聖子ちゃんカット、これは当時絶対的な人気を誇ったアイドル松田聖子さんのデビュー当時の髪型を真似したものでした。最後、ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ、ホー・ホケ・キョ、高畑勲監督のメ・ボアザン・レ・ヤマダ。日本語のタイトルは、ホー・ホケ・キョ、隣の山田くんです。このホー・ホケ・キョは、オリーブ色の鳥、ウグイスのさえずり声です。映画の中で様々な場面にこの鳴き声が挿入され、演出の一部として効果的に使われているようです。さてお話はこれぐらいにして、今日の一文字ヘの練習を始めましょう。ヘは一本の線で書くことができます。左から始まって想像上の山を登ったら逆側へ降ります。下りの方が長くなるように注意してください。もう一回、上がって下ります。カタカナのヘもひらがなのヘもほぼ同じ形と言って良いでしょう。次回はホを練習します。では次のコーナーをお楽しみください。ごきげんよう。Dans les précédentes émissions, nous vous avons présenté les bases concernant les adjectifs en i. Aujourd'hui, nous allons voir quelques cas particuliers.Tout d'abord, si vous avez bien écouté, nous vous avions dit que les adjectifs en « i » sont ceux qui se terminent par le « hiragana i ». Mais attention aux faux amis, comme « kilei » qui semble se terminer en « i ». En fait, il n'en est rien. Si on regarde son écriture en kanji, on voit que le « i » est contenu dans le deuxième kanji. Il n'y a pas de « i » en hiragana qui sort. Il ne se classe donc pas dans la catégorie des adjectifs en « i ». Kilei n'est pas non plus un adjectif en « i », bien que si on regarde son écriture en kanji, le « i » est bien en dehors du kanji écrit en hiragana.Cependant, kilai n'est pas un adjectif classique. Il s'agit d'un verbe à l'origine, kilaeu, détester, dérivé en base i, kilai. Dernier point, vous avez probablement déjà entendu des phrases comme i desu ne, qui signifie c'est bien. Ii est un adjectif en i. Mais vous pourriez rencontrer des problèmes au moment de sa conjugaison. En effet, pour transformer ii, il faut partir de sa forme originelle qui est yoi.
ça donne ii ou yoi, c'est bien. Yokatta, c'était bien. Yokunai, ce n'est pas bien. Yokunakatta, ce n'était pas bien. Voilà, vous savez déjà beaucoup de choses sur les adjectifs en i. La prochaine fois, nous ferons des exercices de révision. Gambatte ne! Et si on allait plus loin dans Nihongo ga Dekimasuka avec le titre Yoake no Ryusegun des scandales? J'ai choisi cette chanson pour vous parler du mot yoake et de l'utilisation de ake. Écoutez ce passage. Yoake est composé de deux éléments. Yo est le kanji de yoru, la nuit, le soir. Ake est la forme substantive du verbe akeru. Vous connaissez peut-être le kanji de akeru. Il s'agit de celui de akarui qui veut dire clair, lumineux. Akeru signifie qu'une période de temps est terminée et que la suivante va commencer. Ainsi, yoga akeru signifie que la période de la nuit est terminée et que le jour va pouvoir commencer. Ça veut donc dire « le jour se lève ». Yoake est la forme substantive de yoakeru, c'est-à-dire la forme nominale. Yoake est donc le lever du jour. Akeru peut s'employer avec d'autres moments. Par exemple, toshi ga akeru. Toshi est l'année. Toshi ga akeru désigne donc le passage à la nouvelle année. On le traduira par l'année commence. D'ailleurs, vous savez probablement comment dire bonne année en japonais. Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite est une forme conjuguée du verbe akeru. Littéralement, akemashite omedetou gozaimasu signifie félicitations pour la fin de l'année écoulée et pour le passage vers la suivante. Akeru marche aussi avec les saisons, mais attention à ne pas vous tromper dans la saison que vous employez. Si vous voulez dire le printemps commence en employant le verbe akeru, vous devez parler de l'hiver et dire fuyuga akeru, puisque je vous le rappelle, akeru exprime avant tout la fin d'une période. Il s'ensuit logiquement le début de l'autre. Fuyuga akeru signifie donc littéralement l'hiver se termine et logiquement le printemps commence. De la même façon, tsuyuga akeru veut dire que la saison des pluies se termine. Akeru s'utilise également avec des moments autres que ceux liés aux journées et aux saisons. Par exemple, moga akeru signifie avoir fait son deuil. Réécoutons l'extrait de notre chanson. Yoake mae signifie avant le lever du jour. Les scandales se demandent de quel présage est ce vent violent qui souffle avant le lever du jour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Matane!